un break. Et je sais même pas pourquoi je suis au random. Parce qu'on s'en fout du random. On s'en fout au live scene tout de suite. Et là, on a double break. Un break stream select. Un beau inner. Un beau inner. Je vais mettre le bon détaillement là. Un beau inner de SPX. On va en avoir de la carte là-dedans. On va en avoir des belles. On va en avoir des belles. Ouais. Donne-moi le. Ok, donc même pas besoin du clavier, incroyable. Break 728, on a ici un inner de SPX que je vais ouvrir à l'instant, donc scellé. Notez bien qu'un inner, là, c'est toujours avec ce sticker-là collé. Donc avec les losanges. Là. Et à l'intérieur, on a nos 10 boîtes de SPX. On va retourner ça de bord comme un magicien Magic Man. Et voilà. Et là, là-dedans, on a 40 cartes au total. 40. C'est pas tant que ça quand tu y penses. 40 cartes. Et savez-vous quoi? Je pense que je vais les shower en arrière. S'ils tiennent. Je pense qu'ils tiennent trop. Fait que mettons... Ah non, on va pas les shower en arrière. On va les mettre ici. Tiens, mon chum. On va mettre ça là. Ouais, vous passez une belle journée. Fait beau. Non, pas fait beau pantoute. Il a pas fait beau pantoute, Fred. Wake up. Pas fait beau pour une scène. Si je m'en vais voir ici, tableau de bord. C'est bon. Ok. Donc j'espère que tout le monde va bien. Puis on va avoir 10 boîtes comme ça à ouvrir des SPX 2021. C'est un team select. Merci à tout le monde qui participe. Sans vous, je pourrais pas faire ça. Puis j'adore faire ça. Fait que merci à tout le monde qui participe. Donc 2021, les recrues de cette année, on peut retrouver deux à 3 autographes et ou mémorabilia par boîte. Donc, on était sûr d'en avoir 2, le minimum. On a tout le temps un autographe puis un chandail. Ça, c'est pas mal tout le temps sûr. Généralement, c'est tout le temps une signature, deux morceaux de chandail. Quand il y en a une troisième. Puis des fois, dans de rares cas, on en a 3. On a 2 signatures et un jersey. Fait que, on se payera pas, hein. C'est marqué sur la boîte. On se fie aux odds. Et on y va avec la première boîte de SPX. Et ensuite, après ce break-là, c'est le break de base qui a été rempli avant. Je fais passer le hockey avant, si, même si le break de baseball s'est rempli plus vite. C'est un beau break de base en plus, fait que si vous voulez regarder ça après, ça commence. Donc, on y va. On va y aller, je pense que c'est une... Oh, on va être une jersey rookie. Et non, même pas, c'est pas rookie, mais c'est un jersey de Ryan O'Reilly. Pour les Blues de Saint-Louis, les premiers qui frappent. Ce sont les Blues de Jacinthe Leblanc. Donc Jacinthe, hier, qui était quand même grande gagnante du break que j'ai fait. Hein. On s'entend, elle a eu énormément de cartes. Félicitations Jacinthe. Jacinthe, elle a un petit trick là. Elle prend 5 équipes. Puis, elle a plein de cartes. Puis, c'était pas les Saint-Louis, Columbus. Donc... Bon choix. Ok, donc on y va maintenant avec notre deuxième carte. Ça va être une base de John Tavares pour les Maple Leafs. C'est les Maple Leafs. C'est à Kim Lévesque. Donc Kim, je te souhaite une Austin Matthews signée. Ça va être le fun, ça. Une petite Matthews signée pour toi. Donc les bases, par exemple, je vais les placer de côté ici. On y va avec. On va avoir une base avec jersey. Et maintenant, c'est Mark Stone. Jusqu'à présent, on a eu 0 recrue dans la première boîte. Après 3 cartes. Et là, on est assuré que la prochaine est une signature. Donc, Mark Stone, des Golden Knights, de Vegas, Julien Brouillette. Ouais, c'est vrai. Les bases normales rentrent dans un sleeve normal. Mais celui avec le jersey, il est à peine plus thick. Et puis, c'est difficile. Fait que. On forcera pas, on va les mettre dans des pics. Et on va le mettre ici. Regarde, vu que c'est un 2 gem jersey, on va la mettre ici. Là. On va la mettre là. On va mettre ça là. Et voilà. Ok, et notre dernière carte, signature. Oh shit. Et là, ça va être une signature. Ça sera pas une recrue. Fait qu'on va avoir une boîte sans recrue. Donc c'est au moins une deuxième année. Et on parle de Nick Suzuki pour les Canadiens de Montréal. Premier gagnant. Je pense que c'est ta deuxième là, de Nick Suzuki. C'est ta deuxième dans celle-là ou c'est la Sparkling
script que t'avais eu, hein. Et là, ça, maintenant, c'est là. Voilà, donc une petite Nick Suzuki Auto pour Tommy Gagnon. Et là, je vais juste aller voir quelque chose. Bon, le monde me parle. Mais je vois pas que vous m'écrivez, Asti. Bon, je vais rapetisser ça, je vais agrandir ça. Et je vais m'en venir ici et je vais regarder ce que vous me dites. OK. Bon, c'est Kevin Gunville qui dit que Mathieu Perrault, hein, donc lui, il gagnait les mises au jeu. Comment sa carrière avec les Maple Leafs, ce gars-là, Mathieu Perrault. Il est venu jouer à Montréal. Salut Alex Duplessis. What's up? What's up? Oh, vient de signer Mathieu Perrault. Hey, je pensais que tu faisais une joke avec Yannick Perrault. Ouais, mais Mathieu Perrault, là, c'est vraiment plus ce qu'il était. Mais Chris, un autre Québécois, hein, puis on veut l'enterrer, hein, l'histoire de Logan Mayhew. Et on y va. Là, je pense que cette boîte-là va être plus chanceuse. On commence avec une base de Cal McCarr jersey pour l'Avalanche du Colorado et Mathieu Lorrain. Lui qui a pris les Blackhawks et l'Avalanche. Je te souhaite bonne chance, Mathieu. Let's go. Et en passant, tout le monde qui est dans le shipping de cette semaine, vous allez recevoir un paquet minimum de gratuits qu'on vous donne, qui était la journée internationale de la carte. Fait que vous allez recevoir des paquets gratuits. Et là, on va avoir une petite Obsidian jersey. Et c'est une rookie! C'est pas jersey, c'est Peyton Krebs. C'est encore mieux, je pense. Donc, Peyton Krebs sur 349 pour les Golden Knights. Benjamin Lebrun. Deuxième carte pour toi, Ben. Donc, si jamais vous avez du Maxime Comtois, Alexandre Duplessis serait intéressé. Alex Comtois étant le gars des Ducks, les anciens Canadiens. Jersey Auto. C'est rien que c'est à qui la Jersey Auto de Monsieur Comtois, Alex Duplessis, veut lui parler. On va avoir une base ici. Donc, on a eu une base de Cal McCarr. Donc, on va avoir une base régulière de Joe Pavelski pour les Stars de Dallas. La 35e sur 2,99. Ching, ching, bling, bling. Ching, ching, bling, bling, ici. Et là, là-dedans, on va avoir notre signature. Et c'est tic. Et c'est une Shadow Box Gold. Donc, qui ça va être? Ça va être... Kiki, do you love me? Pour les Hurricanes, la 11e sur 175. Gagné dans un mini, Eric Blondin. T'as une Shadow Box de Martin Geeky. Lui qui a été envoyé chez le Kraken. Donc, son ancien DG est allé chercher. Donc, Ron Francis est allé chercher Morgan Geeky. Do you love me? Pour les Hurricanes. Les Kraken, maintenant. Donc, on y va avec notre troisième boîte. À date, rien à coucher dehors. On a eu une Shadow Box. Mais c'était pas... c'est Morgan. C'est correct. C'est correct. Morgan Geeky. Do you love me? In a man, oui. On est rendu à notre troisième boîte. Donc, on commence. On a déjà fait 20% du break. Bon en maths, bon en maths en estime. Moi, les maths, là, ma passion. Passion maths. OK. Et là, je pense qu'on va être gâté pour encore Morgan Geeky, Lustrous Rookie pour les Hurricanes, Eric Blondin sur 299. Ça va bien là pour M. Blondin. Deux Morgan Geeky de Swiss. Et là c'est Lustrous Rookie. Prochain random, je te tag, premier. On y va avec... Oh! Oh! Ça va être une autre signature. Fait qu'on va attendre. Ça va être une base
base de Austin Matthews, jersey pour les Leafs. Et Kim Lévesque, deuxième carte pour les Leafs ce soir. Après la base de John Tavares, on a maintenant la... on a la base. Ça, c'est du sang, ça. Ouais. Et voilà, et voilà. On va avoir une Shadow Box Purple maintenant. Shadow Box Purple, donc pas numéroté. Victor Soderstrom pour l'Arizona. Donc, bon petit défenseur, ça, suédois. Donc, pour JP Hood. Ton premier hit dans le break. Une petite Shadow Box. Yes, sir Miller. On va la placer ici. Et notre deuxième signature de la boîte, c'est une... c'est une Superscripts de John. Les Flyers de Philadelphie, Joe Thériault. Nice card, John McLear. Un des derniers. Non, c'est rare de l'équipe. Hein. C'est l'équipe du Canadien. Hein. Tout le monde n'arrête pas de parler de John. De Richer, là. Mais oui, oui, Richer. Mais on s'entend pareil que John McLear. Il l'a peut-être pas fait avec les Habs, là. Mais après ça, il est allé coller des volets à pas mal tout le monde dans la ligue avec les Flyers. Fait que. On a juste pas bien exploité ce gars-là. Comme cinquième. Morgan Geeky. Get out. Déjà que t'en as deux, là. Let's go! Fait qu'on est rendu à. On est rendu à 4 signatures en 3 boîtes. Donc là, on espère que ça continue. Puis qu'on aille. Que ça continue à. Avoir plein de signatures, parce que je préfère 100 fois 100 des signatures à des jerseys, hein, comme tout le monde. Hein. J'ai hâte de voir la Pride of a Nation. J'espère qu'on va en avoir une signée. C'est le fun. C'est une petite Pride of a Nation hein, de McDavid, un sur un. Hein. Le trio Legion of Doom de Philadelphie. Donc on a un SPX jersey ici, rookie de Arthur Kaliev pour les Kings de Los Angeles. Nice one, LA Kings, Simon Payan. On va chez vous. John DeClair. Wow, 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 wow. Là, quittez pas le break, là. Parce que si vous quittez le break, vous pourrez pas revenir, visiblement. Puis il va falloir aller sur YouTube. Fait que ça me dit ça à cause. J'ai utilisé. Esti! Faut que j'arrête d'utiliser Gimme a Loot, là, tabarnak. Ouh, Sorokin! Out of the blue! En dessous, le Nick Suzuki, mais là, la Sorokin! Shadow Boxer Rookie pour les Islanders, Brian Arojo sur 75 seulement. Donc félicitations, Ilya Sorokin Shadow Box sur 75, la 24e print pour Brian Arojo. Là, ça évidemment, ça va aller prendre la place à Morgan Geeky. Incroyable, Nick Suzuki Base, deuxième Nick Suzuki dans le break pour Tommy Gagnon. Pas, hein? The fuck. Fuck me. Skip me. I'm just cat man. Fait qu'on va avoir deux signatures dans celle-là, là, probablement. Là. Hein? Donc, on a une base ici de Jack Eichel pour les Sabres de Buffalo. Va-t-il changer d'adresse? Mais là, pour l'instant, ça s'en va chez Joe Gingras de Napierville. Napier, Napierville. Et. Et non, on n'aura pas une autre signature. On va avoir une troisième base. Et. Donc, une troisième base, celle-là, c'est Jersey de Robert Thomas. On a eu
5 cartes quand même là. On a eu 5 cartes. On a eu la Sorokin, la Eichel, la Villardy, c'est vrai. Finalement, on va avoir eu la Villardy Jersey. Give me the loot, give me the loot. Et là, on commence la cinquième boîte. Donc, on a toujours 4, 5 signatures en 4 boîtes. S'il y a un autre break ce soir, ça va être vers minuit. S'il se remplit, notre chum Nick revient du hockey. Moi, j'ai le baseball à 9h. Ensuite, je suis dans l'impossibilité de vous répondre. Mais s'il y a un autre break de hockey, ça va être très tard ce soir. Ça va être indiqué. Sinon, le break va recommencer demain. Mais on va voir là, si le baseball va prendre au moins 1 heure à faire. Donc, on va aller voir. Et là, c'est quelque chose. Ça va être beau, ça, je pense. Ça va être beau, ça, je pense. On va regarder ça. Bon, encore 2 cartes. L'autre en dessous, je veux pas qu'on la voie de suite, là, parce que ça pourrait être un bon hit, là. Parce que généralement, quand il y a 2 cartes, il y a une signature. Mais là, tabarnak, là. Beau petit paquet, ça date, là. Tabarnak! Chris, Colin! Ça va être bon, ça, là. On a-tu une base là-dedans, au moins? Je pense qu'on n'aura pas même pas une base normale. Rookie Jersey, Gustav Lidström pour les Detroit Rock City, Joe Ishikawa. Donc, Joe Ishikawa. Ça s'en va à toi. Joe. Rookie Jersey, la 78e. Une double. XL Material de Artemi Panarin et une de Mika Zibanejad, la 11e sur 49 pour les Rangers de New York. C'est vrai que c'est du XL Material, ça là. Les Rangers de New York, Jocelyn Théoret, qui lui souhaite avoir une Laffy là, dans quelques instants. Il veut ça, c'est ce qu'il veut, c'est pour ça qu'il l'a gagné, c'est ça qu'il veut. Mais dans un mini, nice one sur 49, très cool. Très cool. Ça, c'est tabarnak. Ça, je pense que c'est une signature. Shadowbox Purple de Alexander Barkov pour la Floride. Donc, le bon défenseur. Le bon centre. Désolé. The Great Center. The Great Center. La John Carlson que j'ai montré tout à l'heure. Et là, on va avoir une autre signature. Pense c'est un bijou. Pense qu'on a un bijou. Le feeling, c'est un bijou. Et est-ce que c'est un bijou? Je pense que ça s'ouvre de même. Est-ce que c'est un bijou? C'est-tu le Tyler Benson? Quand j'ai vu ça, je me suis dit Connor? Mais c'est une rookie Obsidian Scripps pour les Oilers, les Wheelers de Edmonton. LP Leblanc. T'as-tu cru toi aussi? T'as-tu cru LP? T'as-tu fait? Oh shit! Oh shit! Je suis fatigué, moi, tabarnak, là, je pense. Ouais, je pense que je suis fatigué. Ah, regarde, vu que c'est une recrue, on va la mettre là. Yes, sir. On s'en va maintenant dans la sixième boîte. Et on a 7 signatures. Moi, j'aimerais ça qu'on finisse le break là, avec. Peux-tu espérer 15? 15, c'est trop. 15, c'est trop. 14. 14 signatures au final. 14, peut-être 15. Ce serait le fun. Signature ici, on va aller la voir. C'est une Alexander True sur 375 pour les Sharks.
Les Sharks de San Jose, Jacinthe Leblanc. Donc, deuxième signature pour toi. Non, c'est sa deuxième signature. Parce que oui. I think yes. Ça, c'est tic, ça. Ça semble être un jersey de Kirill. Kaprizov sur 3,99. Très belle carte, ça, pour le Minnesota. Minnesota, Martin Lecuyer, la 312e. On aime ça. Mais ça me fait longtemps, là. On a eu une straight où on dirait que Capri voulait tout le temps sortir avec nous autres. Là, il nous boude un petit peu, là, mais je vous le dis, là, ça s'en vient. Capri, il est de retour. La fille aussi, si t'as dit de s'en vient. Ils s'en viennent toutes. Ils s'en viennent toutes, je vous le dis. Une petite base ici de Carter Hart pour la Pennsylvanie. Donc, une des deux équipes là, de la Pennsylvanie. On parle de Joe Thériault qui a eu la John LeClair. Ce qui est fou, c'est que toutes les cartes prennent des gros top load. C'est pas grave. On en manque pas chez Savage des top load. Et là, on va avoir une carte. Est-ce que on a tout pogné notre signé à date? Je pense que oui, on a pogné avec Thunder Chew. Notre Philippe Roberg sur 349, la 145e pour les Oilers. Une belle Black Obsidian Rookie. Donc, très belle carte. J'adore ces cartes-là. Les Black Obsidian Rookie, là, je les trouve vraiment classe. C'est sûr que j'apprécie beaucoup les Purple, parce qu'elles sont plus bonnes numérotées. Hein. Mais c'est vraiment des belles classes. C'est vraiment des belles cartes. Je trouve ça très classe. Super classe. Super classe. Pittsburgh, là, lui, d'habitude, il reste là pour la fin. Fait que, d'habitude, Pittsburgh, là, il reste là pour le show, puis il attend à la fin. Donc, on va aller voir, on a notre petite Black Obsidian, probablement rookie encore, et c'est une Dylan Cousins. Félicitations, les Sœurs de Buffalo, Joe Gingras. Dylan Cousins, un des bons à trouver des cartes cette année. Et je pense qu'on va avoir une extravagant jersey de Connor McDavid, extravagant material pour McDavid. McDavid. LP Leblanc. Heureusement, pas numéroté. C'était augure que ça s'en vient. Là. Let's go. Là. Je m'ennuie. J'en veux le plus possible là, avec David. Là. Let's go, McDave. On devrait avoir une base. Là, je peux pas croire. Et ça sera pas une base. Ça va être une signature. Donc, une belle petite signature de Dominique Kubalik pour Chicago, Mathieu Lorrain. Chicago, Colorado, t'es en business. Donc, une petite Dominique Kubalik. Deuxième année pour lui. Pour les Oilers, belle petite signature. Et là, je pense qu'on est dû pour changer Suzuki. Je vais mettre Kubalik, là. Je sais pas que c'est mon top 3. Je fais juste qu'on était dû pour changer. C'est numéroté, c'est pas numéroté. Et c'est numéroté sur 3,99 Martin Kaut. Pour l'Avalanche du Jersey. L'Avalanche du Colorado. Donc la 139e sur 3,99. Ouais. Là. Let's go. Là. Quand même une belle petite Kaprizov jusqu'à présent. Petite Suzuki. Signé. Sorokin sur 75.
Là, je veux avoir un hit là, qui va me jeter à terre. Là. Je veux un hit là, que je vais faire tabarnak! Oh my god! Que je pourrais utiliser genre. Pour mettre dans le prochain vidéo d'intro là. Ouais, j'aimerais savoir un hit quand même aujourd'hui. Il reste trois boîtes. Trois boîtes. On commence à ouvrir l'avant-avant-dernière. Explique ce jersey. Anthony Angelo pour Pittsburgh. Première carte pour Pittsburgh. C'est une SPX jersey. FC, on espère quelque chose d'autre bientôt. Mais ça commence tout le temps un début. Tout le temps un début au moins. Donc la Black Obsidian maintenant régulière de Philippe Kourachev. Très belle carte sur 349, la 86e. Pour Mathieu Lorrain. Donc commence à se faire une belle petite collection là, des Blackhawks. Ils sortent abondamment depuis quelques minutes. Salut LP Leblanc. Là, tu veux savoir, LP, qu'est-ce que tu as eu avec Edmonton? Mais tu as eu une petite Tyler Benson signée. Pas pire. Tu as eu une McDavid jersey extravagant. Un autre SPX jersey ici. Justement, en parlant d'un SPX jersey. Connor McMichael. Très bon centre, ça. Prometteur pour les Capitals de Washington. Ça, c'est un petit livre, ça n'entrera pas. Les Capitals de Washington, Julien Blouillette. Mais Edmonton, c'est LP Leblanc. Ok, nice. Chanceux, man. Chanceux, si tu devrais gagner ça dans un mini, mon chum. Black Lustrous. Rookie en plus. Golden Knight, c'est ça? Non, c'est les sénateurs et Josh Norris! C'est sur 75, la 60e! Oh my god! What a card! What a card! Josh Norris! Patrick Leblanc qui fait un comeback et qui reçoit une Josh Norris Black Lipstick Rookie sur 75. Art sign! Wow! C'est un gros hit, ça, mon chum. T'es sûr que c'était les Golden Knights. Côte du doré, là. J'ai jamais pensé au sénateur. Au sénateur d'Ottawa. Et là, savez-vous quoi? Évidemment, ça va s'en aller ici. Ouais. In the first place, Josh Norris. Et là, on est maintenant rendu au moment où je. L'avant-dernière boîte. Donc, let's go. On est capable. Ça c'est un hit que je suis content. Ça, c'est. J'avais hâte de voir le. C'est peut-être le. Pas le case hit, là, mais. Peut-être le inner hit. Peut-être pas, hein? Peut-être qu'on nous réserve une surprise. Let's go. 4 cartes. Il reste 8 paquets à ouvrir d'ici la fin du break. Ça commence à compter pour certains. Mais on ne désespère pas. Ton attitude détermine ton attitude. Hein? N'oublions jamais ça. Petite base ici de Vladimir Tarasenko, jersey. Pour les Blues de Saint-Louis, les Blues à Jacinthe. Les Blues, la métropole. Ça, c'est beau dommage, ça, si je me trompe pas. Ouh, ça, c'est T4 tabarouette. Donc, ici, on va avoir une autre base. Monsieur J.T. Miller pour Vancouver. Tommy Gagnon, gagné dans un mini, ça. Félicitations, Tommy.
Le blues, la métropole. Est-ce que ça c'est deux cartes? Non. Mais c'est quand même très tic là. Ah! Ah! Pride of a nation! Oh my god. Je pense que ça a fucké, hein? Ça fuck-tu pour vous autres, là, ou tout est correct? Je pense que c'est revenu à correct, là. Esti de Facebook, man. Esti de Facebook. Parfait, excellent. Ok, on y va. On a une Pride of a Nation, mais on va attendre. On va attendre, on va aller dans l'eau. Oh, et là, hey, je pense qu'il nous gardait les meilleures boîtes pour la fin. On a maintenant une Black Obsidian. Black Obsidian. Purple de Key Andre Miller. Et là, c'est sûr que New York, là, on s'emballait, Jocelyn. On espérait une Laffy Taffy. Donc, la Purple, là, elle est numérotée sur 99. C'est la 45e print. C'est une très belle carte. Ça va dans un Big Top Loader. Big Motherfucker Top Loader. C'est une belle, belle, ça. Ok, on va aller voir le Pride of a Nation maintenant. Pride of a Nation. Est-ce que j'ai eu une signature? Je pense que j'ai pas eu de signature dans celle-là. Non. Fait que là, notre Pride of a Nation serait signé alors. Pride of a Nation. Rookie. Et c'est Martin Carl pour Colorado. Bon, ben, t'as payé à date, là. Martin Carl, t'étais payant pour toi, hein? Rock and roll, esti. Rock and roll, Martin Carl. Yes, le gros! 70-99, Rookie! Très belle carte, Pride of a Nation! J'adore ça, Pride of a Nation! On va enlever de coup balique, on va la mettre là. Mathieu Lorrain, là. Va bien. Mathieu Lorrain va popper. Il nous reste une boîte. Et là, il risque d'avoir du gros stock, là. I feel it, I feel it. I feel it, feel it, feel it, feel it, feel it. Beat it. Beat it, beat it. C'est le temps pour une petite corner, là. Petite corner, une petite Crosby, là. Un dans un, là. Les deux ensemble, là. C'est le fun. On va avoir une petite. Je pense que c'est une signature, ça, on va attendre. Ouh, je pense que c'est une signature, ça, on va attendre. Tabarnak. Nice. On a une petite Sergei Bobrovsky. On espère. On espère de tout cœur, là. Qu'il revienne. Le gardien qui a déjà été. C'est triste un petit peu, là. Ces temps-ci. Mais quand même. Tu veux pas être un goaler élite pis pas redevenir élite. C'est sûr que. Oh, attends une minute, le tabarnak, là. Ouh, finite de Edgar Zamulash. Crème, c'est vrai, on n'en a pas sorti une dans ce break-là. Des fois, ça sort. Pou, 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 pou. Une finite, on n'en avait pas sorti. Pour les Flyers de Philadelphia. Les Flyers de Philadelphie. Joe Thériault. Donc, après John LeClair. On est celle-là maintenant. Là, je vais garder celle-là en dernier, j'ai aucune idée c'est quoi.
Et là, c'est une jersey. C'est pas une signature, mais c'est un jersey de William Carlson et les Golden Knights. Benjamin Lebrun. Quand même bien été aussi pour les Golden Knights. Il me semble qu'il y a beaucoup de cartes des Golden Knights qui est sorties. Et là, il reste une seule carte. Une seule carte. Et c'est une carte signée. C'est purple en plus. C'est purple! Je sais pas si j'ai déjà vu ça. Et c'est une Tyler Benson Lustrus sur. C'est deuxième signature de monsieur. Monsieur Benstrom sur 25. La 12e print au total. Quand même, c'est une belle carte qui est relativement rare, on va se le dire. Félicitations, LP Leblanc. Grosse Oilers. GG. On a aimé ça. Corner, là, mais... Tyler, ici. T'as eu peur, hein? LP, t'étais sûr que c'était une McDavid, hein? Hein? T'étais sûr? Tyler Benson sur 25! Donc, seulement sur 25. C'est quand même très bien. 12 sur 25, Tyler Benson! Allez, c'est mon but. Hein. That's my goal. Et là, on va regarder les signatures qu'on a eues. Regardez ça. C'est ce que je vais montrer du break. La petite Dominique Kubalik, la Nick Suzuki, la Tyler Benson. La première qu'on a eue, la rookie jersey, Alexander Chu, la signature de du vétéran. C'est gros, 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 gros scoreur de but dans la vie. John LeClair, rookie jersey, Gustav Lidstrom, Morgan Geeky, deux fois une Lidstrom, puis une Lidstrom et une Shadowbox Gold sur 175. Ensuite, on a eu une Shadowbox Gold de Sorokin, mais celle-là sur 75, très belle carte. Ça ferait mon podium. La Pride of a Nation sur 99 de Martin Kaut. En deuxième position, je mettrais la Tyler Benson sur 25. Et en première position, évidemment, la Auto Patch Stubbs Rookie sur 75 de Josh Norris. Merci d'avoir été là. Et là, je m'en vais préparer le baseball tout de suite. Pour qu'on puisse finir ça aussi. Let's go! Ciao tout le monde!